Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je réponds à vos questions. Les questions là, je vous les ai demandées depuis le mois de mai, je pense. Depuis le mois de mai et c'est aujourd'hui que je filme la vidéo. Vraiment, je me comprends pas déjà moi-même. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Et vraiment, je vais pas vous mentir, c'est vraiment des questions pertinentes. Première question, tes parents sont divorcés? Non. Il n'y a pas de divorce, il n'y a jamais eu de divorce. Du coup, non. Pourquoi tu n'es plus trop présente? Attendez, j'enlève ma chic. Pourquoi tu n'es plus trop présente sur Insta, mais plutôt sur Snap? Car sur Snap, j'ai plus d'abonnés. Du coup, bah, je m'occupe mieux de mes abonnés sur, sur Snap que sur Insta. Mais maintenant, voilà, je suis plus sur TikTok que sur, sur les deux là. T'es en couple? Non, je suis pas en couple. Je n'ai pas le temps. Le temps passe. Le temps passe et je n'ai pas l'âge. Et voilà. T'as combien d'ex, même ceux de primaire compte? En tout, j'en ai deux. Et voilà, j'en ai jamais eu en primaire. Du coup, voilà. Ton poids? Hier, j'ai une discussion avec ma mère et tout. En gros, pour eux, je fais maximum 56. 56 kilos, pas plus de 60. Prochaine question. C'est pas une question, mais t'es belle. Merci. Je veux être la copine de Tracy. Bah, je vous mettrai son Insta ou là, allez lui parler. Je demande ton numéro parce que je suis une grande fan de toi. Je sais pas pourquoi, je t'aime. Malheureusement, mon numéro, je peux pas le donner. Moi, okay. Le gars m'a demandé mon adresse. How old are you? I'm 17. Du coup, elle m'a demandé quel âge j'avais. Du coup, j'ai 17 ans. Je vais avoir 18 ans l'année prochaine. Okay. Est-ce que tu as déjà eu tes règles en public sans le savoir? Oui. Clairement, oui. Je les ai eues. Attends, c'était une fois. Ça m'est arrivé seulement une fois, merci Dieu. J'étais en ville. Je marchais. Merci Dieu, j'avais porté un pantalon militaire. J'ai porté un pantalon militaire et il y avait une tache. Une tache brune, du coup. C'était brun et genre les gens ils pensaient que c'était parmi les tâches des trucs de militaires, du coup voilà. Mais ça, je n'avais pas duré longtemps dehors ce jour-là. Es-tu vierge? La question, c'est... Bon, j'avais dit question pertinente, mais cette question, au début je répondais, enfin même là je réponds, mais je trouve cette question un peu déplacée. Pourquoi? Car je... Moi-même, comme toi, t'es là. Attends. Tu t'appelles Oriane B. T'appelles Oriane. Je t'appelle Oriane. Donc, Oriane, toi, est-ce que t'aurais le courage d'aller demander la question à ta mère alors que tu connais déjà la réponse? Tu vois? Moi-même, tous nos parents, on sait. On se sait. Ils nous ont eus. On se sait. C'est pas. On les a. Comment dire? On leur a injecté quelque chose dans le ventre pour nous avoir. Mais je trouve que cette question, elle est un petit peu déplacée, que ça soit pour tout le monde. Mais puis, oui. Oui. Est-ce que tu as déjà eu un copain? Encore une fois, oui, j'en ai déjà eu. Et puis, voilà. Voilà. Mais malheureusement, heureusement, c'est fini. Heureusement. Moi, je dis merci à Dieu. C'est qui ta cousine préférée? J'en ai pas. J'ai plutôt des cousins préférés. Mais bon, après, c'est pas préféré. C'est juste que je suis plus avec mes cousins ici que d'autres cousins. Mais sinon, je les aime tous. Ton plus gros complexe? Mon plus gros complexe, je pense, avant, c'était mes... c'était quoi? Mon corps. Ouais, avant, c'était mon corps. Maintenant, clairement, mon corps, je l'aime. Aucun complexe, zéro complexe, vraiment. Je suis chic. Tu sais que ça part derrière ton dos, il y a des rumeurs. Ah, tu sais que ça parle, désolé. Tu sais que ça parle derrière ton dos, il y a des rumeurs sur toi. Je sais. Mais les gens, ils ont bien compris que leur place était derrière. Du coup, point.
c'est quoi ta motivation pour aller en cours? En tout cas, c'est les points. Moi, les interrogations, c'est ma vie. À part en sciences. Sciences, vraiment, c'est à part. Mais les autres, là, et en magie, 80% des... Non, je suis forte. Est-ce que tu es déjà sortie avec un garçon et que ta... Est-ce que ta mère le savait? Je dis tout à ma mère, c'est ma best friend. Du coup, oui. Est-ce que tu as déjà fugué? De quelle origine es-tu? De quelle origine es-tu? De quelle origine es-tu? De quelle origine je suis? Je vais même pas répondre parce qu'après ça va faire polémique. As-tu offert FIFA 23 à quelqu'un? Non. Non. Non, on est où là? Pourquoi je veux offrir FIFA 23? Donc vous, quand il y a des nouvelles PP 32 pouces qui sortent, personne n'offre à personne. Mais quand c'est vos jeux là qui vous, avec lesquels vous changez, je sais même pas parler. Vos jeux là que vous changez chaque année, que nous on doit aller vous acheter chaque année. Mais ça va pas ou quoi? Même Saint Valentin vous nous achetez, vous nous achetez pas des fleurs. Du coup moi non, j'achète pas FIFA 23, c'est mort. J'ai jamais acheté de cadeau de jeux vidéo à un garçon, c'est mort. La mère te laisse mettre des perruques? Oui. Quand même, j'ai 17 ans là, quand même. Tu es de quelle nationalité? Je suis de nationalité belge. Ta situation amoureuse? Je ne suis pas en couple. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Et puis, t'as quoi comme téléphone? Là, c'est pas mon téléphone, mais sinon j'ai l'iPhone 14 Pro Max. Ouais, 14 Pro Max, du coup, oui. Si un garçon te trompe, tu lui fais quoi? On va couper ton zizi. Dégage! As-tu un crush? Pour le moment, non. Mais il y a des gens qui sont en crush sur moi. Du coup. Tu parles en néerlandais. Catastrophe. Je ne sais pas parler néerlandais. Même pas un peu. Je vais faire une phrase. Ik ben Cheryl. Ik heb tui. Ik heb in bro en tui. Non. En vir zef. Zefen. Voilà. Tu fais quoi si ta meilleure amie te trahit? Écoute, elle me trahit. Mais attends, me trahir comment? Parce que si elle me trahit, genre elle répète ce que moi je lui dis, je la tue. Et non, je les tue parce que j'en ai plusieurs. Je les tue. Je les étrangle. Et si c'est mon meilleur ami, lui, c'est fini pour lui. Parce que moi, je suis ce genre de fille. Les filles, je fais une vidéo après. Parce que moi, je suis ce genre de fille, je m'entends mieux avec les garçons que les filles. Du coup, bah voilà. Mais sinon, ouais, je les tue. Donc moi, je me confie à toi et toi, tu vas raconter à quelqu'un d'autre. Tu vas parler à quelqu'un d'autre de ce que moi, je... Vas-y, c'est la vie. Hein. Après, des amis, il y en a plein. Mais bon, si je pense que je me fais encore trahir cette fois-ci, parce que c'est pas la première fois. Enfin, si je me fais encore trahir, je me dirais que c'est pas la première fois. Du coup, je change, je vais pas changer. Je vais rester moi-même dans mon coin. Déjà, là, j'ai du mal à me refaire des amis parce que j'ai eu trop de trucs dans ma vie qui me font réfléchir de jour en jour. Et quand il y a ce genre de choses qui se passent dans ma vie, ça me fait grandir, vous voyez. Du coup, enfin, ça m'a déjà fait grandir là, je trouve. Et puis voilà, du coup, là, il me reste... je suis avec mon cercle restreint. C'est pas parce que je rigole avec toi, que je te montre mes dents, que on est copines. Non, nous sommes des connaissances. Tu peux pas dire je suis la copine à chérie, tu peux dire je la connais. Mais tu peux pas dire qu'on est copines. C'est pas parce que t'es copine avec une amie à moi que moi je suis ta copine. Non, pas du tout. Moi j'ai 2-3 copines, point. Sur la liste et j'ai des meilleures amies. Quoi. Et voilà. Tu sais quoi si dans ta prochaine relation, on te fait du mal? Faut savoir que moi, dans toutes les relations que j'ai eues dans ma vie, oui, j'explique ça comme ça. Oui, les tantines, les tontons, arrêtez de faire semblant. Car tout le monde a déjà été en couple à un jeune âge. Qu'on arrête de se voiler la face, qu'on assume, nous sommes des enfants de Dieu, assumons. Du coup, moi, dans toutes mes relations, on m'a brisé le cœur. Là, vraiment, je le dis. Mais maintenant, j'ai un cœur en pierre. Là, je sais que pour le moment, je n'arriverai pas à reparler à un garçon, à recommencer ce que j'ai eu auparavant, recommencer, je ne pourrais pas. Mais voilà, si il se passe ce qui s'est passé précédemment, bah tant pis, mais je sais que pour le moment, de genre dans peut-être dans là, j'ai 17 ans, dans 2-3 ans, j'aurai 19, 20, 21, un truc comme ça. Du coup, ouais, là, je pense que là, ça sera vraiment une relation sérieuse, je serai posée, j'aurai ma maison.
J'aurai mon appartement, ma maison, une maison, parce que moi, appartement, non. J'aurai ma maison, ma voiture, j'aurai... Déjà, mon premier enfant, je pense que je vais le faire à... Je vais le faire. Dès que je serai mariée, je vais faire mon enfant. J'aurai un enfant, désolée. J'aurai un enfant, voilà quoi. Du coup, ouais, les filles, prenez votre temps. Prenez votre temps, moi, je vous conseille, car mon cœur... prenez votre temps, restez concentré sur vos études, c'est le plus important. Vous mettez pas en couple pendant que vous êtes dans, vous êtes pas prête. Enfin, ne vous mettez pas en couple avec une personne qui va venir vous sortir de chez vous avec plus de galères chez lui. Vous voyez, genre par exemple moi chez moi, ma mère elle me nourrit à ma faim, elle m'habille comme je le veux. Il y a pas de oui tâche. Non, elle m'habille quand elle m'habille quoi. Je dors sur un lit de princesse, j'ai une chambre de princesse, j'ai une maison de ouf. Donc c'est pas un garçon de qui touche de 200 euros à la fin du mois qui va venir me faire sortir de chez moi. Ah non, ça clairement non. Non, 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 non. Si c'est un homme qui sait s'occuper de moi, qui sait me prendre en charge, quoi, qui sait me nourrir à ma faim, m'habiller comme je le souhaite, m'acheter tout ce que je veux, là oui. Mais tant que moi j'ai un pouvoir d'achat plus élevé que toi, mon chéri, non. Non. Là, non. Parce que déjà, si c'est un garçon qui gagne. Enfin, moins de 10, comme dirait Greg Guillotin. Non. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à activer la cloche et je vous fais tout plein de bisous. Ciao!